Coming down, see the shadows of my love, where all the monsters came, maybe blue eyes. Oh, oh, trop bien match. Eh bien, salut à tous, c'est 77 Cabane, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu très spécial, Rocket League. Je sais, je mets du temps avant de me mettre au jeu qui font le buzz. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors, je suis niveau 15, d'habitude je joue avec mes amis. Là, ils m'ont tous lâchement abandonné. Non, mais c'est juste parce qu'il est trop nul en fait. Ouais, on va dire ça. Rappelle-moi, qu'est-ce qui se passe quand on fait un contre 1? C'est bien ce que je pensais. Alors, j'ai lancé une petite partie en ranked, tout simplement. Je crois que c'est ranked. On va bien voir, de toute façon, si je pourrais faire quelques tests. Juste, c'est juste... Pas Rocket League. Ben, ceux qui n'ont pas forcément le jeu, tout simplement. C'est moi ou... Ah non, j'ai eu peur, j'étais tout seul contre 3 mecs, je veux dire... Il y a une couille. Et donc le but, c'est de mettre des buts. Tout simplement comme ça là-bas, voilà. A noter qu'on a un boost qui nous permet de voler et tout le tintouin. Voilà, voilà. C'est un jeu super addictif. C'est à dire que moi quand je l'ai acheté, je me suis dit oui, je vais en faire qu'une ou deux parties et puis après ça sera bon. Et puis au final ça fait une petite semaine que j'y joue et c'est toujours aussi marrant. On peut faire des matchs aussi avec ses amis et régler quelques paramètres, par exemple pour plus avoir de gravité ou pour justement en avoir un plus, avoir une plus grosse balle ou une plus petite balle, des trucs dans ce genre. Là on peut faire des arrêts comme ça aussi. Alors nous en général quand on joue on met quelqu'un au but, il y a quelqu'un qui est en attaque. Et voilà, là je joue contre des personnes que je ne connais avec et contre des personnes que je ne connais pas. Mais on peut aussi se retrouver entre amis. Ce qui est normal, je dirais. Ça serait bizarre si ça n'était pas possible. Là par exemple, c'est galère. Oui. Et on peut monter au plafond aussi. Alors, à noter que j'ai un niveau de débutant, on va dire. Et que du coup, je fais pas des trucs de ouf. Mais quand tu connais vraiment bien le jeu, il y a moyen de faire des trucs très 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 stylés. Ouais, je suis passé totalement à côté de la balle. Totalement. On peut faire des bicyclettes aussi. Bon, là, j'avoue que je joue ma vie, donc... On peut exploser les voitures aussi. Merci. Aïe. Ça part en but. Ouais. Klepto 666 a marqué. Magnifique pseudo au passage.
Ah! Bim. Renard des surfaces. Moi ouais, je pense qu'elle serait rentrée quand même sans mon aide. Mais juste pour voler un kill. Enfin un kill. Voler un but à quelqu'un, j'avais envie de foncer dedans. Alors, je suis désolé, comme d'habitude je ne parle pas énormément parce que je suis à fond dedans. Et je joue ma vie comme je l'ai dit précédemment. Donc forcément. Oh punaise! Bien joué. La bête. Oh, je suis passé à côté. Voilà. C'est cadré, même pas, c'est centré par contre, pas cadré. Voilà, nickel. Oh merde. Voilà. Alors là en fait je me suis fait plutôt carry je trouve. Totalement carry. Et voilà. On a gagné haut la main. Expression. Plus utilisé depuis les années 1970, je pense. Zero! Wow! Wow! Propulsion gel. J'aime ça. Allez! Allez! Et voilà, ben on va se retrouver pour une prochaine vidéo. C'était une vidéo assez rapide, je pense que pour des jeux comme ça, je n'ai pas besoin de faire des vidéos trop longues. Donc c'était aussi pour vous annoncer mon petit retour. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira. Est-ce qu'elle sortira avant des anciennes vidéos ou après? Je ne sais pas, je vais m'arranger, je vais bien voir. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et peace. Londres de Starik, je vous donne ma parole. Et moi mes rousses.